Balou et Antoine, on t'embarque prochainement en Slovénie, au Monténégro, en Italie, en Suisse, en France, en Bosnie et en Croatie. Et c'est reparti les amis, on est de retour pour de nouvelles aventures. Cette fois-ci, on s'attaque aux Balkans. L'objectif de ce road trip est d'atteindre la ville de Kotor qui se situe au Monténégro. Pour y arriver, on traversera la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie et la Bosnie pour enfin atteindre le Monténégro. La petite différence par rapport aux autres road trips, c'est que cette fois-ci, on part directement à moto. Donc pas d'histoire de camion, pas d'histoire de chargement, pas d'histoire de covoiturage. On part à moto, on revient à moto. Enfin, ça c'est ce qui est prévu. J'espère qu'on y arrivera. Mais avant toute chose, on va devoir rejoindre mes deux compagnons de voyage. Allez, installe-toi confortablement, c'est parti. J'ai 170 km à parcourir seul jusqu'à la ville de Courtenay. C'est là-bas que je dois rejoindre Balou et Antoine. Ah, ça y est, les voilà. On commence par Balou. Équipé de son CB500, que l'on appelle aussi El Chico Ciento. Il l'a entièrement retapé suite à ses nombreux exploits en 2016. Si tu suis mes aventures depuis un moment, tu vois de quoi je parle. Elle consomme rien. Et voici Antoine, qui nous a rejoint avec un Ducati 900SS en mode Café Racer, entièrement fait par lui-même. Le travail de la tôle, la soudure et le savoir-faire d'Antoine est vraiment incroyable. Il n'y a qu'à voir la qualité de la réalisation du 900 pour s'en rendre compte. Ta moto ? Et moi, Black Market. Je t'avoue que je sais pas vraiment quoi dire sur moi, mais normalement si tu me suis depuis un moment, ça devrait le faire. Sinon, pour ceux qui ne me connaissent pas, eh bien je suis celui qui organise les road trips et monte les différentes vidéos sur cette chaîne. Cette fois-ci, j'ai laissé le 675 Daytona à la maison et j'ai pris l'Africa Twin. C'est son premier gros road trip avec moi et sûrement pas son dernier. Maintenant que les présentations sont faites, on va aller remplir les réservoirs et on va reprendre la route. L'objectif, c'est d'arriver du côté de Châtel. Mais pour ça, on va devoir encore parcourir 750 km avant d'y arriver. T'as là vraiment trop de style ta meule, tu trouves. Non, pas la tienne. Pas la tienne. Celle-là. Je trouve les couleurs et tout, je les trouve vraiment dingue. On franchit maintenant la réserve naturelle de Haute-Savoie et je pense qu'on va enfin avoir le droit à un peu de sinueux. D'autoroute, je peux vous dire que ça fait vraiment du bien de pouvoir enquiller sur des cours comme ça. Bon, ok, le bitume n'est pas parfait, mais c'est pas grave. On se fait plaisir et c'est le principal. La bonne nouvelle, c'est que ces bonnes routes devraient continuer jusqu'à Genève.
vas manger là-haut à Châtel? Bah là-bas c'est petit, en Châtel il y a que dalle en fait. Bah, c'est une station mon gars. Ouais mais c'est un petit peu je crois. Là je préférerais qu'on grimpe avant la nuit. Ouais. On a pris la décision de pousser jusqu'à Châtel avant de trouver quelque chose pour manger. Mais malheureusement le temps qu'on y arrive, la nuit est tombée et nous avons trouvé aucun restaurant d'ouvert. Du coup, nous avons passé la soirée au bar, à siroter quelques bières avant d'aller se coucher. Châtel, France, le 6 août 2017. Réveil pluvieux ce matin à Châtel. Les estomacs sont vides, alors on s'est dépêché de sortir du lit pour se préparer, pour ensuite aller manger et boire quelque chose de chaud avant de prendre la route. La météo semble compliquée et on a presque 600 bornes de prévu aujourd'hui. L'objectif est d'atteindre le lac de Carercé en Italie. Mais avant ça, il va falloir que l'on traverse toute la Suisse. Allez, c'est parti. On n'est pas forcément motivé à cause du temps, mais quand faut y aller, faut y aller. Arrêt sur le bord de la route pour retendre la chaîne de l'Africa Twin et regresser tout ça. Juste après, on attaque le col de la Fourca. Alors autant mieux le faire dans de bonnes conditions si tu vois ce que je veux dire. Départ, on a fait qu'alterner entre pluie, brume et temps nuageux. À cela s'ajoute le fait que depuis qu'on est parti de Paris, nous n'avons toujours pas mangé un vrai repas. La fatigue, la faim et le froid commencent à se faire sentir. On décide de marquer une pause dans un café en Suisse avant de reprendre la route. Des kilomètres et des kilomètres que je deviens fou dans mon casque à cause de ce sublime coucher de soleil. Je ne fais que de me répéter « Arrête-toi Brian, arrête-toi Brian, il faut vraiment que tu prennes une photo ». La lumière diminuant de plus en plus, je décide de m'arrêter sur le bas-côté. Et cet arrêt va être une véritable chance pour nous. Tu vas comprendre pourquoi. Toujours en compagnie du chasseur alpin. J'étais en train de me dire « Putain, faut que je prenne une photo, faut que je prenne une photo ». Ah ouais, le mec est bleu quoi. Il va commencer à faire nuit là. Soit ouais. Dans, dans le coin. Demain matin on se lève tôt. Ouais. On va au lac direct. Et après on continue. Mm-hmm. Ça fait 150 bornes en plus, donc ça fait une journée à 550 bornes à peu près demain. Mm-hmm. S'il fait beau demain ou pas? Normalement je pense. Si mon anglais est bon, l'ours ne respecte pas les poubelles. Ce qui veut dire qu'il y a des ours. T'en penses quoi? Ça le fait? Il y a un spot là. Ouais.
Vas-y, hein. On va faire ça. Ouais, je suis le touquet ou quoi ici? Il est parti où, Brian? Sans blague, qu'il y a spot. Antoine a eu du flair. Tu ne te rends peut-être pas encore vraiment compte de l'endroit dans lequel on est à cause de la luminosité. Mais t'inquiète même pas, demain au réveil, je vais te montrer tout ça. Normalement, demain, il fait bien beau. Et demain, mon gars, il y a de la courbe, mais à gogo. Ah, il y a des cols de ouf et tout, on va se mettre bien. Pour le moment, on va installer notre campement et surtout tenter d'allumer un feu. D'habitude, on n'est pas trop con, mais pour le coup, là, je te laisse le droit de le penser. Bon, on n'a pas apporté de briquet. Mais pour notre défense, il n'y a personne qui fume dans le groupe. Bon, ok, d'accord, on est trop con, je te l'accorde. N'empêche que si tu te retrouves dans une situation comme la nôtre, là je te laisse prendre des notes. Il est bon, merde. Contact. On va tous exploser. Je vais me prendre une de ces. Ouais, tu vois, ça a piqué peut-être un peu. Mais... T'as pas une pince? Si. Avec du caoutchouc? Vous avez pas du papier sur vous, des trucs comme ça? Ouais, j'ai une carte grise. Permis. Le trip. Ah ouais, pour l'instant. Et le mieux reste à venir. Hein. J'espère. Non, là c'était le mieux en fait. Orage, tout bien, franchement c'est les meilleures parties. Non mais en vrai, tu vois, quand on chie, ce qui est drôle c'est que sur le coup tu kiffes pas, tu vois. Mais quand tu rentres chez Watt, c'est les premiers trucs qui te reviennent en tête, tu sais, tu te dis putain. Moi ça m'a. Tu sais, on a déjà parlé, je sais pas combien de fois, et je le zappe complètement, tu sais. T'es sérieux? Chaque trip. Quand là on se reprend des pluies ou machin, je me dis pas qu'est-ce que je fous là. Mais je me dis pourquoi putain, ah, si ça m'est déjà arrivé à chaque fois quoi. Non mais ça m'est déjà arrivé de me dire qu'est-ce que je fous là. Mais de toute façon c'est pas des vacances, on peut pas appeler ça des vacances. Si je trouve ça. Non, c'est. Ouais, je vois des paysages de dingue. Ouais mais c'est tu pas. Plus sur Arte d'habitude, tu vois. Mais c'est pas une critique hein, quand je dis ça. Hein. Mais pour moi c'est plus vraiment. Bah c'est pas les vacances détente, c'est pour ça que derrière pars, quand je tu le camion, pars à l'aventure quoi, tu vois vraiment c'est. Mais moi je kiffe. Quelque part dans Offenpass, Suisse, le 7 août 2017. Réveil au son du puissant cours d'eau ce matin ici en Suisse. La météo est en total contraste avec celle d'hier et c'est tant mieux, on avait vraiment besoin de soleil. On fait repartir le feu de la veille en à peine 30 secondes et on profite du cadre dans lequel on se trouve. Au fait, je devais t'en montrer un peu plus à propos de ce lieu, non? Tiens, mate ça. On se prépare gentiment avant de reprendre la route. Adieu, petit feu. On essaye de pas trop traîner car nous avons déjà 150 km de retard sur la journée d'hier. En quittant la forêt, Balou s'en est mise une avec le CB500, tout seul dans la terre. On passe assez rapidement la frontière suisse et on se dirige vers le lac de Carersé, en Italie. Le retard sur la journée d'hier est enfin rattrapé.
On essaye de traverser tant bien que mal tous les villages italiens qui se trouvent entre les cols, mais il y a tellement de monde sur la route que ça devient vraiment compliqué pour garder un bon rythme. Et en plus de ça, évidemment, comme à chaque road trip, c'est 30 ? Ouais, bon, je traîne pas. Bon, faisons une petite mise au point sur la situation. Balou s'est fait arrêter par la police italienne et a pris 30 euros d'amende pour plaque sale et aucun rétroviseur sur la moto. Tout ça est dû à la chute qu'il a eue ce matin dans la terre avant qu'on parte. Comme ils ne prennent pas la carte, on était obligé de payer en espèces. Pour une fois, j'avais la moto la plus réglo de nous trois. Du coup, c'est moi qui suis descendu apporter l'argent à la police. On attendait Balou plus haut, mais il a pas dû nous voir en passant. Tu l'as pas vu ? Du coup, le fait qu'on l'attende pour rien, couplé au temps perdu à se retrouver, plus l'arrestation en elle-même, on a dû perdre environ une heure et demie. Une fois que l'on s'est enfin tous retrouvés, on reprend la route. Malgré cette perte de temps, je pense que l'on peut encore arriver à boucler l'itinéraire initialement prévu pour aujourd'hui, et donc arriver en Slovénie. Mais à condition que l'on n'ait plus aucun souci jusqu'à la fin. Putain, mais tu nous as pas vu, je t'ai dit trois virages après. Maintenant, direction le Passo de Monte Gio. Balou et moi, on est en train de sabater les motos, mais on n'avance vraiment pas. Comme ce sont de vieilles motos à carbu, plus on monte en altitude, plus elles s'étouffent. Du coup, on est tout le temps en train de lui taper dedans à coup de première et de seconde pour essayer d'avancer un maximum.
monter sur ce coup-là. Plus on grimpe, plus la lumière s'intensifie. C'est comme si une nouvelle journée venait de commencer. Regarde-moi toutes ces montagnes, on a une palette de couleurs absolument magnifique. Et cette lumière, on en prend plein les yeux. Parfois peut-être un peu trop, c'est pour ça qu'on loupe 2-3 virages. Mais il n'y a pas à dire, c'est vraiment magnifique. On arrive sur la fin de la montée du Passo de Monte Gio. Au final, on a eu de la chance d'arriver si tard sur cette route parce que je pense qu'en pleine journée ici c'est blindé de voitures et de motos. On n'aurait pas pu s'amuser autant que ce qu'on a fait là. Et au fait, les gars en longboard qu'on a croisés plus bas, on en parle ou pas? Ils étaient grave chauds eux aussi. Hein. Je pense qu'on s'est tous fait peur dans le même virage, eux comme nous. Allez, une petite photo pour immortaliser tout ça et on repart. Maintenant faut qu'on s'attaque à la descente. Troisième jour que l'on est sur la route et toujours pas un vrai repas avalé. Il faut que l'on arrête nos conneries, clairement, pour la simple et bonne raison que même sur la moto, ça commence à se ressentir qu'on a vraiment rien dans l'estomac. Et ça, ça peut être dangereux. On va s'arrêter ici pour manger. On prendra une décision après, à savoir si l'on pousse encore un peu ou pas pour ce soir. Je ne sais pas si tu as fait attention un peu avant, mais au moment où Balou a roulé dans une énorme ligne de sable, eh bien nous aurions dû continuer tout droit. Les gars qui gèrent les travaux sur la route ont fermé cette route juste sous mes yeux et n'ont pas voulu que l'on passe. Résultat, détour oblige. Et devine quoi? Ce détour va nous coûter plus de 100 km supplémentaires avant d'arriver en Slovénie. Aujourd'hui, c'est compliqué pour nous. On a perdu énormément de temps entre l'arrestation de Balou et ce détour. Mais bon, à force, on connaît ce genre de problème et on sait les gérer. Ça fait partie du truc. On signe aussi pour ça en road trip. Lac de Missurina, Italie, le 8 août 2017. Aujourd'hui, on n'a pas intérêt à bafouiller. Pour que tu comprennes la situation, nous avons 800 km à faire et pas de négociation possible. Nous devons atteindre la ville de Novigrad en Croatie. On a une chambre qui nous attend là-bas. Il est presque 7h du matin. On remballe et on taille. Fait le plein d'essence et on s'arrête dans un café histoire de prendre un petit déj. Vu la journée qui nous attend, on a besoin de force. Pas question de s'arrêter ce midi. Du coup, on fonce à l'épicerie juste en face histoire d'acheter quelque chose à manger que l'on prendra sur la route.
contentant de passer en Slovénie. Il nous reste plus beaucoup de kilomètres avant d'atteindre la ville de Bled. Il y a quelque chose que je n'ai pas encore précisé, il fait extrêmement chaud ici. La météo n'a absolument rien à voir avec ce qu'on a eu en Suisse il y a quelques jours. Il fait plus de 35 degrés ici en Slovénie. Du coup, la ville de Bled va tomber à pic. Là-bas, il y a un énorme lac et on va en profiter pour piquer une petite tête avant de continuer la route. Là-bas, là... Putain, j'ai perdu mon caleçon, mec. je le tiens du bout des orteils, gros. On devait passer à Velika Planina, dans le nord de la Slovénie. Et comme tu le sais, on est déjà grave à la bourre sur notre route. Tu nettoies de pare-brise, frère. Après concertation, on tente quand même le coup. Direction le nord de la Slovénie, dans la région de Haute-Carnie. On ne pensait pas mettre autant de temps pour y arriver. En soi, ça nous faisait pas un gros détour en termes de kilomètres. On n'avait juste pas prévu le fait que la route n'allait pas être goudronnée. Bon, je t'avoue que moi, avec l'Africa Twin, je suis tranquille. Mais je m'en veux un peu d'avoir embarqué Antoine dans ce merdier. En plus de ça, arrivé en haut, nous sommes obligés de continuer à pied car les véhicules sont interdits. C'est ce qui va nous freiner et on ne continuera pas plus loin car l'heure tourne et nous devons maintenant traverser l'intégralité de la Slovénie pour rejoindre la Croatie. Allez, on trace, on ne perd pas de temps. On est déjà sur la fin d'après-midi et la route est encore longue. Avec nos conneries, on est à deux doigts de louper la sortie. J'essaye de rattraper Clément le plus rapidement possible pour que l'on sorte immédiatement. Ces derniers pleins avant de passer en Croatie. À 1,02, je peux te dire que je vais même en boire et je repisse dans mon réservoir quand j'ai besoin de l'essence. Putain, 18 euros un plein. Il y a avec un camion citerne la prochaine fois. Yes. 36 bornes jusqu'à la ville en Croatie et après, c'est la route de la côte. Route de la côte, il y a peut-être. Non, dans quel pays ? De la côte, je pense qu'il y a au moins 200 bornes. 500 bornes de France, en fait. Ouais. Ouais, je pense. Donc là, normalement, je pense qu'on arrive vers Petit-Bavet. Je pense pas. Je pense qu'on arrive vers 22h. Si on est bon. Mais là, c'est ça, ça serait ouf que ce soit que de la route comme ça. Bah alors là, même. Et c'est reparti! On passe la frontière à 3, comme ça on paye pas. Mais non, je... C'est une connerie, Brian. C'est parti, on attaque une section que j'attendais avec impatience. La route numéro 8 qui longe toute la côte croate. Une fois de plus, la chance est avec nous. Il est environ 20h et du coup il y a peu de gens sur la route. On va pouvoir enrouler toute la côte à bon rythme et se faire plaisir.
je te précise un petit truc. Malgré le fait qu'il soit plus de 20h, ici en Croatie, il fait encore plus de 30 degrés. Ah, on est bien là. Tout est absolument parfait. Le bitume accroche royalement, les paysages sont absolument incroyables et tous les reflets violets mélangés au coucher de soleil, c'est vraiment magnifique. On pourrait s'arrêter sur le bas-côté de la route et en profiter jusqu'à la tombée de la nuit et ensuite rentrer tranquillement. Mais on est tellement absorbé par ces courbes, elles sont hyper progressives, zéro piège et on accroche comme jamais. Devant avec le 900SS, et pour que tu comprennes le rythme que nous adoptons, là, en gros avec l'Africa Twin, je suis à bloc. Je peux pas aller plus vite, je suis à fond, la poignée elle est soudée et c'est impossible de rattraper entre eux. Tu sais qu'on a fait 80 km à fond, mais à fond, mec. Ah, la bouloche de partout. Eh, mais... Oh, la vache. Ouais, putain. Ouais, je rentre pépère. De toute façon, j'en peux plus. À la fin, mes mains étaient tétanisées, mec. Merci. 5000. Balou arrivera quelques minutes plus tard. On reprendra la route jusqu'à la ville de Novigrad avec un rythme bien plus cool que celui qu'on avait auparavant. On arrive lessivé à notre hôtel. Par chance, les gérants de l'hôtel où nous sommes gardent le restaurant ouvert juste pour nous. On mange dehors, face à la mer, dans le plus grand des calmes, sous une chaleur étouffante. Malgré le fait qu'il fasse nuit et qu'il soit plus de 22h, on est en pleine période de canicule ici en Croatie. La journée, on frôle les 50 degrés et la nuit, on est aux environs de 30 degrés. Je te laisse imaginer le truc. Après le restaurant, direction la plage. On va prendre un petit bain de minuit improvisé. On n'a même pas pris le temps d'aller chercher nos maillots de bain. On finit à poil dans la mer, à mater les étoiles jusqu'à ce que l'on n'en puisse plus du tout et que le corps soit bien refroidi. On finira par aller se coucher sur les coups de minuit, complètement mort. C'est un repos qui est bien mérité pour nous puisqu'on a abattu plus de 800 km aujourd'hui. Demain, direction la Bosnie. Novigrad, Croatie, le 9 août 2017. Ce matin, on souhaitait se reposer un peu à cause de la journée interminable d'hier. Mais les pilotes des Canadair n'étaient pas de cet avis. À cette période de l'année, tout le pays est en feu. D'où les allers-retours incessants des Canadair et le voile de fumée observable dans tout le pays. T'en mets sur le pneu ou pas ? On s'occupe de graisser les chaînes et de checker les niveaux d'huile. On a besoin de faire la point, du coup direction un shop moto histoire de se ravitailler en huile pour les motos. On fait la rencontre d'un Parisien également en road trip ici dans les Balkans. On le dépanne en Grèce, on échange quelques mots et on prend la direction de la Bosnie sous une chaleur étouffante. Comment tu leur expliques ? À chaque fois quand je rentre, alors c'était bien ? Ouais, c'était bien, ouais. Et alors, ça fait quoi ? Ouais, c'est un peu compliqué d'expliquer. On est enfin à la frontière bosnienne.
On est tombé sur un agent qui a décidé de nous prendre un peu la tête avant notre passage en Bosnie. Nouveau ravitaillement avant de prendre la direction du lac du Blidiny. Pour y accéder, c'est la même histoire qu'en Slovénie, la route n'est pas goudronnée. Perso, je continue à m'amuser dans les chemins, jusqu'à même tenter une grimpette chargée avec l'Afrika Twin. On va faire basculer. Mais j'ai été un peu trop optimiste sur ce coup-là. Avec des pneus à crampons, ça l'aurait fait, sans problème. Après 2-3 photos, on décide de revenir légèrement en arrière histoire de se poser un peu au niveau du lac. Mate un peu le no man's land dans lequel on est. Évidemment, on n'a pas résisté à l'envie d'aller faire un peu les cons dans la terre. On va arrêter les conneries, je crois. Oh putain. T'as vu? Elle est grosse glisse, comme as. Elle a raccroché. Je suis parti en boule, mec. Oh, je me suis enculé, putain. Tu retournes en avance. Putain, on est con, ces deux. Quelques minutes après ma chute, j'ai commencé à sentir une forte douleur au niveau de mon tibia droit. En levant mon pantalon, j'ai remarqué mon tibia qui était en train de gonfler et une plaie ouverte assez profonde pour apercevoir le début de mon tibia. Normalement, je pense que j'aurais dû me faire recoudre sur ça. Mais comme tu le vois, on est au milieu de nulle part, du coup, pour trouver un hôpital, ça va être compliqué. Et je t'avoue que de finir à l'hôpital en Bosnie, je suis pas hyper chaud. Quoi qu'il en soit, il va falloir que je trouve un moyen de désinfecter cette plaie régulièrement pour ne pas risquer l'infection. Parce que si jamais ça m'arrive, là, ça sera une autre histoire. Par chance, quelques kilomètres plus loin, on tombe sur un hôtel-restaurant au milieu de nulle part. Du coup, on en profite pour faire demi-tour et je vais voir s'il n'y a pas moyen de me soigner la jambe. Alors, je suis pas bien là? C'est quand même mieux que l'hôpital, non? Et en prime, j'ai même le droit à un petit shot de vodka histoire de désinfecter tout ça. She will help you, she's the nurse. Do you want water or juice yes, or something? Yes, if you've got some water. Yeah, sure. Well, maybe water with sugar. Would you like with yeah. sugar? I'm okay, huh? Oh, okay, no problem. Thank you. You're welcome. Are you first time in here? Here, yes. You are taking a ferry to go to Italy again, mm-hmm. and then come back to France. Mm-hmm. With bites. Is it too strong? Allez, gros bandage histoire de garder la plaie au propre et c'est reparti. En tout cas, un grand merci à elle. Me voilà de nouveau opérationnel pour la suite des aventures.
vu, mon gars. C'est quoi dégueulasse. Qu'est-ce que ça fait du bien de simplement apprécier ce que l'on a autour de nous. Allez, c'est reparti. Avec les chaleurs intenses de ces derniers jours, la météo va changer du tout au tout. Après, le problème, c'est que ça va venir vers nous dans tous les cas. Donc moi, je propose, c'est qu'on pousse un maximum avant qu'il pleuve, jusqu'à ce que ce soit la merde. On verra, de toute façon, on n'a pas le choix, on a nulle part où dormir. Donc. À la suite de ces orages, une pluie diluvienne commence à tomber. On stoppe direct dans une station-service en espérant pouvoir dormir sur place complètement à l'arrache. Et malheureusement, le gérant de la station va nous foutre dehors et on va devoir reprendre la route sous la pluie. Pour imager l'endroit où on se trouve actuellement, en gros, on est sur une espèce de route piste en terre avec des carcasses en tout genre sur chaque côté de la route. Au fond de la Bosnie, il est minuit 45, la journée n'est pas finie, les gars. On va rien trouver, c'est toujours la même merde, c'est des ruines. Des trucs avec des poubelles, des voitures retournées. Et le souci, c'est que cette route demande une attention vraiment particulière. On peut se planter à tout moment ici. On leur dit, écoutez, on est dans la merde. Lâchez-nous un bout de gazon, demain matin, on n'est plus là à 8h. Le truc, c'est qu'on est en même temps en train de chercher un endroit où dormir, et on est tellement fatigué que notre attention diminue fortement. Des abeilles. Ouais, super. Je vais passer dans la merde avec mon corps là, je suis coupé de partout. J'ai un tibia qui est ouvert en deux. En plus, aller dormir avec des abeilles maintenant. À force de pousser et de pousser, on a fini jusqu'à la frontière du Monténégro sans même s'en rendre réellement compte. Nous qui trouvions la journée d'hier interminable, bah celle-ci, je peux te dire qu'elle est encore bien pire que celle d'hier. Oui, il s'en bat les couches, quoi. Là, il va être fatigué, man. Il va se dire, vas-y, casse-toi de là avec ta moto de merde. Et regarde ce qu'il y a à droite, Brian. Danger, mine. Bienvenue au Monténégro. Ça marche comment la nuit à conduire la moto là? Ah, explosive. Nickel, un petit pont en bois. On n'avait pas fait ça encore. Bon, on va se balader maintenant qu'on est là. Et oui, là, on passe au Monténégro. C'est vrai que ça suffisait pas. Ouais, je me disais que c'était un peu rapide. Il est plus de 2h du matin et il nous reste encore un checkpoint à passer. Une fois les divers contrôles terminés, on longera le canyon de la Tara jusqu'à trouver une petite place pour dormir. On s'arrêtera le long de la route comme des clochards. Balou se serait endormi par terre sans même prendre le temps de monter sa tente tellement il était fatigué. Antoine et moi, on dormira dans la tente juste au pied de la falaise. On est en train de passer notre pire nuit du road trip, clairement. On comptera même plus le nombre de personnes qui se sont arrêtées au bord de la route en train de nous regarder avec des têtes vraiment bizarres. Je t'avoue que la seule envie qu'on ait tous ici, c'est que le jour se lève et qu'on puisse enfin reprendre la route. Canyon de la Tara, Monténégro, le 10 août 2017. À peine quelques heures de sommeil plus tard, on se réveille au pied du canyon de la Tara. On est littéralement explosé après cette nuit catastrophique. Malgré ça, on se motive rapidement et on ne tarde pas à partir. Objectif, trouver un café et un restaurant ainsi qu'une pharmacie pour pouvoir soigner ma jambe. À peine la route du canyon terminée, on bifurque légèrement vers la gauche et à partir de ce moment-là, on va en prendre plein les yeux. Bienvenue dans le parc du Durmitor à Bobotovkouk. On est à environ 2500 mètres d'altitude ici. La montagne est vraiment impressionnante ici. On ne sait même pas où donner de la tête tellement c'est magnifique. On regarde à gauche, on regarde à droite, on regarde même plus la route.
va devoir se frayer un chemin entre toutes ces vaches. Balou passe le premier histoire de nous dégager la voie. Regarde un peu la façon dont est tracée la roche, je trouve ça vraiment impressionnant. Vient ensuite la rencontre avec des chevaux sur le bord de la route. Une fois la montagne traversée, on s'arrêtera plusieurs heures dans une petite ville pour manger, décharger les cartes SD, se reposer un peu et récupérer de quoi m'occuper de mon tibia jusqu'à la fin du trip. Je te montre un spot que j'avais repéré quelques semaines auparavant. On va devoir modifier légèrement notre itinéraire initial, mais je t'assure que ça vaut vraiment le coup. Tiens, mate ça. Je me suis engagé dans le truc, j'ai fait ah putain, il y en a, il va péter un plomb encore. Pour l'instant, c'est pas la pire qu'on ait pris. On peut baisser le thermostat ou pas ? Eh, c'est un truc de ouf, comment il fait chaud. J'ai l'impression que ça fait que grimper en plus. L'épais voile gris que tu vois partout provient de l'ensemble des feux qu'il y a dans les Balkans en ce moment. Toute cette région de l'Europe est un énorme brasier. Il est temps de se diriger vers Kotor, mais avant, on va passer par le mont Lofsen. Ce mont offre un point de vue absolument incroyable sur toute la baie de Kotor et ses environs. Allez, c'est parti. Et en prime, on va essayer de titiller un peu la poignée de gaz jusqu'à là-haut. De pouvoir jouer un peu. Il faut qu'on reste vigilant parce que la route est extrêmement glissante ici. Tout à l'heure, je te parlais d'un épais voile de fumée présent partout dans le ciel. Et bien ici, il est encore plus présent puisque l'on prend de l'altitude. Cool la route, eh, comment elle glisse. Et à un moment donné,
j'ai une vieille compression, l'avant qui se lève en plein virage, mais très léger, tu vois. Et genre, je pense, je sais pas si ça se voit à la caméra, tu vois qu'elle va tomber en fait, tu vois. Même moi, j'ai eu peur, je me suis dit, ouah, ça y est, c'est maintenant que ça va se passer. Ah, moi, ouais, avant et arrière, c'est tout le temps hein, qu'elle décroche. Dans ce truc-là, c'est le bitume, je sais pas, il est à moitié glissant. Et encore, je la maintiens pour pas me casser la gueule. Et voilà ce qu'elle me fait tellement il y a de poids à l'arrière. Tirage de bourre, on arrive enfin en haut du mont Lofsen. Comme si on n'était pas déjà assez fatigué comme ça, on doit maintenant se taper 461 marches avant d'arriver jusqu'au point culminant. La vue est absolument incroyable ici, mais c'est quand même triste de constater à quel point le paysage a été marqué par les feux de forêt ici. Et comme tu peux le voir, certains foyers sont encore actifs. La nuit commence à tomber ici en montagne et il est temps de se diriger vers Kotor. C'est là-bas que l'on va s'arrêter cette nuit pour dormir. Les dernières traces du coucher de soleil encore perceptibles dans le ciel sont vraiment magnifiques. Bam, le lac. Le fameux lac. Sous l'eau. Enfin, sous la fumée, je veux dire. Je m'arrête et je tente de filmer la baie de Kotor au drone, mais malheureusement la lumière est bien trop faible pour que cela puisse rendre quelque chose. J'espère arriver à motiver les gars pour qu'on remonte ici demain matin très tôt pour que je puisse filmer tout ça. À cet instant précis, il faut savoir que l'on est arrivé au point le plus distant de notre roadbook. On peut donc dire que l'objectif est atteint. À partir de demain, on attaque le trajet du retour jusqu'en France. Mais t'en fais pas, avant d'arriver jusqu'à Paris, on a encore pas mal d'histoires à te raconter. Kotor, Monténégro, le 11 août 2017. Départ tardif ce matin. Ça fait du bien d'avoir enfin pu dormir dans un vrai lit. Il est bientôt midi, on charge les motos sous une chaleur insupportable, au moins 40 degrés, et on part. J'ai réussi à motiver les gars pour remonter tout en haut du mont Lofsen. Là on était hier, mais on n'avait pas pu mettre un coup de drone à cause du fait qu'il fasse trop nuit. Et ben on y retourne. J'espère qu'il n'y aura pas trop de monde cette fois et qu'on pourra être tranquille pour faire ce qu'on a à faire. Passe un jour par ici, tu dois obligatoirement voir tout ça de tes propres yeux. La vue est absolument vertigineuse tellement le champ de vision est large ici. Le fait de voir les deux bras de la mer rentrer dans les terres, c'est quelque chose. Allez, on ne traîne pas. Il est temps de redescendre tout ça et on en a pour un moment. Sans parler du fait que la route est ultra glissante ici. Alors il faut faire attention.
approche désormais l'un des deux bras que je t'ai montré juste avant avec le drone. On s'arrêterait bien piquer une petite tête, mais malheureusement on est déjà en train de prendre du retard sur l'horaire et l'itinéraire. Et par ma faute en plus, puisque cette montée et descente de col non prévue à la base nous a fait perdre presque 1h30. Mais bon, on va pouvoir se tirer un petit peu la bourre tous ensemble, et ça, ça fait toujours plaisir. Les courbes ici sont hyper longues et absolument pas piégeuses. Malheureusement avec l'Africa Twin j'ai du mal à suivre le rythme et je suis tout le temps à bloc. Mais je t'avoue que ça fait quand même grave du bien de pouvoir tirer un peu. Ouais, il a l'air un peu plus gonflé à l'arrière. Moi ouais, je reste comme ça, si je vois que ça glisse un peu, je le remettrai, mais si ça tient, tranquille. Remarque, vous ne m'aiderez pas que ça glisse, parce que c'est pas bon. La frontière approche à grands pas, et une superbe route va s'offrir à nous. On va pouvoir s'amuser tous les trois, roue dans roue. Et en plus de ça, mon gabalou est de retour en première ligne. Ça, ça fait plaisir. Superbe section, vraiment. Mais malheureusement, on va avoir le droit à un petit coup d'ascenseur émotionnel. Ouais. Je crois que ça va faire mal. En vrai, on aurait peut-être pas dû s'arrêter. Ouais. Ils sont au radar ou pas ? Putain, fait chier. J'ai envie d'éclater de rire. Il n'y a pas de thune. Hein ? Il n'y a pas de thune. On passe de 120 balles à 10 balles. Maintenant. Non, 10 pour tout le monde. 10 pour tout le monde, ouais. Il veut juste te payer un café. Et c'est ça qu'il a dit, ouais. Café, je sais pas quoi. En gros, vous nous payez un café et vous repartez, quoi. Attendez, j'ai des pièces. Tiens, moi aussi. J'ai 3 balles, là. Tu vois ce que je veux dire ? Le mec, il aurait pu me demander n'importe quoi comme tarot. 9, 10. C'est bon, on a les 10. Oh, celle-là, elle est bonne. Hold the road. Bah, non, border vaccino vicino. Ok. Ok. On se casse. Une des bonnes salles. Ouais, c'est cool les sols d'ici. Je fais quoi de ma cagoule, moi ? Putain, lui, il était à 50, lui. Fils de pute, putain. T'arrives comme ça à la frontière en stoppie, tu sais. Il a écrit 10 euros, tu vois. Parce qu'à mon avis, la politique ici, c'est les touristes, faut pas les allumer parce que c'est eux qui nous font vivre. Ou alors là, on rentre dans un putain de guet-apens, mec, nazi Francia. Ok, ok. Mais là, mon gars, 6 mois de tôle. Là, c'est les autres, ça. Voilà, mon gars, Rupteur bouge jusqu'à France.
Douane Rupteur. Douane Rupteur, c'est clair. Ça, c'est chaud, un DR. Pour t'expliquer, on s'est fait arrêter par la police au Monténégro, soi-disant au radar, mais ils ne voulaient pas nous montrer la vitesse. Ils nous réclamaient 120 euros pour qu'on puisse repartir. On a arrêté de parler, on a fait semblant de ne plus rien comprendre. C'est la meilleure des techniques à adopter à l'étranger, de toute façon. Ils en ont eu marre et nous ont demandé de leur filer 10 balles par personne pour qu'on puisse repartir. Le problème, c'est qu'on n'avait même pas 10 balles à nous tous. Après un peu de négociation en langage des signes, ils nous ont demandé d'aller poser l'argent directement dans la voiture au niveau de la boîte à gants. En d'autres termes, un petit billet dans la poche et c'est reparti. On va pas se plaindre, mais il faut faire attention avec ce genre de magouille. Ça peut mal tourner. La section qui suit va s'étendre sur environ 250 km et elle est ultra monotone. À tel point qu'on a failli tous s'endormir sur la moto. Du coup, petite pause avant de passer en Croatie. Le début de soirée approche à grands pas et on est de retour sur la route numéro 8 en Croatie. Cette fois-ci, on est dans l'autre sens. Et par chance, on va avoir le droit à un super coucher de soleil. Tiens-toi prêt. Que je m'en lasserai jamais. La nuit est tombée, Balou est loin derrière et on n'a bientôt plus d'essence. La température est encore extrêmement élevée et on n'en peut vraiment plus. On se retrouvera tous à l'hôtel. La gérante nous a gardé la piscine ouverte et ça, c'est le genre de petit cadeau qui fait plaisir. Surtout après une journée sous une telle chaleur. Réveil agité ce matin en Croatie. On a laissé toutes nos affaires dehors la veille sur le balcon et malheureusement pour nous, une grosse pluie est tombée. C'est d'ailleurs ce qui nous a réveillés. On s'est empressé de ramasser toutes nos affaires. Fais gaffe à mon Africa Twin, hein. Là, mais t'es, je le pars là-bas, là. À droite, là. Ouais. Aujourd'hui, c'est une journée tranquille pour nous. Le seul impératif étant de prendre le ferry à 20h ce soir. On va essayer de trouver un bon resto et de profiter un peu. Et t'as vu ça, mec? Mec, c'est une patinoire, le truc. Bien joué, le porteur, mec. Putain, laisse tomber, mec. Comment ça, c'est de ouf. Road trip en trafic, gros. Vas-y, bouge avec ta merde, là. Putain. Ah, les scooters qui zigzaguent à 10 à l'heure devant moi, c'est un truc. Ça m'insupporte. On a enfin trouvé où embarquer notre ferry et on a bien envie d'aller piquer une petite tête avant de monter sur le bateau. Voilà, on est à Split, on va commencer le road trip. On va faire 5000 bornes, on vient de s'équiper. Marianne, t'as mis tes sliders? Ouais, ils sont beaux, putain. Nouveau slider en sang. Mais j'étais un peu bas. La Ducat, elle est nickel, tu vois le chiffon, quoi. On va à la plage. Ounga, ounga.
Kylian, tu vas embarquer. Hey, il est chaud. It's the future. Là, il va te coller 125 balles, c'est pour ça qu'il rigole en fait. T'inquiète pas, Balou a parfaitement passé le contrôle, y'a aucun souci. Maintenant, on va embarquer sur le ferry. Tu peux me tirer le scratch là que j'ai devant l'œil? Mon masque de prison. Non, vas-y, casse-toi, fais-le à droite. C'est merde. Pas bouger. Tu fais un retour. Au final, on décidera de passer la nuit directement sur le pont dans nos sacs de couchage. Il faisait pas froid, il y avait pas trop de vent, le ciel était dégagé, la lune était là pour nous éclairer. Allez, il est temps de se reposer un peu. Demain, on sera en Italie et une nouvelle grosse journée nous attend. Quelque part en plein milieu de la mer Adriatique, le 13 août 2017. J'ouvre les yeux alors qu'il n'est même pas encore 5 heures du matin, un peu déstabilisé car j'avais oublié que l'on dormait sur un bateau. Clément et Antoine sont encore au pays des rêves, du coup je vais en profiter pour aller filmer un peu. Il est maintenant temps de se diriger tranquillement vers les motos. On va bientôt accoster en Italie sur le port d'Ancône. On passe la douane et on décide de s'arrêter dans un café le long de la côte pour prendre un deuxième petit déjeuner. On a la dalle. Nous sommes dans une région de l'Italie que l'on appelle la Toscane. J'en ai souvent entendu parler et je voulais voir de mes propres yeux à quoi ça ressemblait. L'objectif est d'atteindre la ville de Pise, de l'autre côté de l'Italie, avant la nuit. Malheureusement pour Antoine, on est bon pour traverser une nouvelle route sans goudron. Je voulais me retourner comme un enduro avec un pied par terre, mais malheureusement avec l'Africa Twin, ça s'est vraiment pas passé comme prévu. On marquera une petite pause dans un centre commercial sur le bord de la route parce qu'on est vraiment fatigué maintenant. Malheureusement pour nous, impossible d'éviter cette section d'autoroute. Mais elle passera relativement rapidement car une Maserati nous a ouvert la voie. La fin de journée approche rapidement et on n'est plus très loin de Pise maintenant. On va directement essayer d'aller voir la tour. On ne tarde pas à trouver un petit restaurant pour manger ce soir. On fera également la connaissance d'un motard indien avec qui on passera une bonne soirée et il nous montrera un peu toute sa collection de motos. C'était vraiment quelqu'un de cool. Après le restaurant, de nombreuses heures se sont écoulées avant que l'on trouve un endroit où dormir. On s'engagera même sur une section d'autoroute sur plus de 40 km alors que Balou n'a même plus de phare sur son CB500. Obligé de l'escorter,
Quitte à avancer, on continue sur l'itinéraire que l'on avait initialement prévu pour le lendemain. On finira par trouver un coin d'herbe ou camper quelques heures plus tard. Le truc, c'est que des habitations n'étaient pas loin de là où on dormait. Alors qu'on commençait à installer notre campement, j'entends une voiture arriver à fond. Je dis à Balou, coupe ta lampe mec, on a de la compagnie, baissez-vous les gars. La voiture est passée deux fois devant nous et nous cherchait. On a attendu un peu que la voiture se gare et que les choses se calment. On prend la décision de rester ici et de partir tôt le lendemain matin. Il est plus de 2h du mat et je dois encore décharger toutes les GoPros et charger toutes les batteries. Allez, je reste positif car demain, si tout se passe bien, on est du côté de Nice et on dort dans un Airbnb avec une grosse piscine. La nuit a été courte et on n'a pas hyper bien dormi. Par contre, bonne nouvelle pour nous, le mec d'hier nous a laissé tranquille avec sa voiture toute la nuit. Alors on décampe et on se trouve de quoi prendre un grand café, un bon petit déj et on reprend la route en direction de la France. Tu vois, avec le recul, si j'avais su, je serais pas forcément passé en Toscane. Je m'attendais à beaucoup mieux que ça, mais bon, c'était à faire au moins une fois. Maintenant je sais à quoi ça ressemble et honnêtement, c'est pas une région que je te conseille. On approche du littoral italien. Qui dit littoral, dit route sinueuse. Et qui dit route sinueuse, dit... Ouais, tu m'as compris, on va s'amuser un peu. Rien de mieux qu'une bonne petite arsouille entre potes pour se réveiller. Ces routes ne s'arrêtent absolument jamais. Qu'est-ce que ça fait du bien d'enrouler comme ça à bon rythme? En plus de ça, on avance correctement sur l'itinéraire qui était prévu aujourd'hui. Ça fait plaisir. Non pas que l'on n'ait plus envie de rouler, loin de là, mais on a tous envie de se poser un peu et de profiter de la piscine pour se détendre. La Toscane nous a clairement foutu le cafard à tous. En tout cas, c'est ce que je ressens. On communique peu depuis qu'on y est. On a besoin de se retrouver tous ensemble et de rigoler un bon coup. Le sud de la France nous fera le plus grand bien en espérant y arriver avant la fin de journée. On approche maintenant des stations balnéaires françaises et italiennes. Je t'avoue que c'est pas vraiment le genre de truc qui me fait kiffer, il y a beaucoup trop de monde pour moi, et le monde, j'aime pas ça. Histoire de se remettre rapidement dans le bain, place au bouchon. Mais bon, on approche de la maison maintenant, donc on reste motivé. Antoine et Clément s'occupent d'aller faire les courses pour ce soir, pendant que moi je m'occupe de décharger les cartes SD et de recharger les batteries des GoPro. Ce soir, on se fait une énorme ratatouille histoire de recharger les corps en vitamines en tout genre. Mais avant de passer au fourneau, on pique une petite tête dans la piscine. On l'a bien mérité celle-ci. On mangera et passera la soirée dehors jusqu'à tomber de fatigue. «
Demain, ce sera l'avant-dernier jour de ce road trip dans les Balkans et de superbes routes nous attendent encore jusqu'à Grenoble. Mais avant de les attaquer, on a besoin de sommeil. Allez, bonne nuit mec. Quelque part en Côte d'Azur, France, le 15 août 2017. Il y a à peine 8h du matin ici en Côte d'Azur. On démarre la journée tranquillement, sans pression. Rien de tel qu'un petit plongeon dans la piscine suivi d'un petit déj en terrasse d'un plus grand des calmes. C'est notre dernier vrai jour de road trip et ça serait vraiment bête de pas en profiter. L'objectif d'aujourd'hui est d'atteindre la ville de Grenoble via un tracé aux petits oignons. J'espère qu'il sera plus riche que celui de la Toscane et qu'il va nous regonfler à bloc. On en a vraiment besoin. On profite encore un peu, puis on démarre. Les bécanes sont chargées, le soleil est au rendez-vous. Allez, c'est parti. On commence à rentrer dans les sections sinueuses, mais avant, on a besoin d'essence. Du coup, on cherche une station service, on met le plein et on attaque tout ça. Le gars de devant me dit de passer. J'aimerais bien mec, mais je suis déjà à fond, j'arrive pas à passer devant toi. C'est un peu le problème que j'ai avec l'Africa Twin et ce qu'a aussi Balou avec le CB500. On peut passer, mais techniquement c'est impossible, la moto est déjà à bloc. Du coup on est obligé de la savater pour essayer de grappiller quelques mètres et pouvoir se faufiler devant. À bloc. C'est complètement différent de la Toscane d'un point de vue route et là on s'éclate vraiment. Ça fait plaisir et ça fait du bien. Sors-le ! Toi tu fais ça ! Fais ça ! Bon, on en parle de toutes ces routes de ouf là ou quoi ? Tous les rapports ils sont comme à souder. J'ai éclaté de rire quand tu m'as passé au rupteur. Deux.
fait, la moto, j'étais dans le virage et je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis pris une vieille compression, tu sais. Elle a redressé, je suis parti tout droit. Camion qui arrive en face dans le virage. Et genre, sur le bord de la route, t'avais un virage relevé de terre, mec. Je rentre à fond dedans. Je prends le virage, je reviens sur la route, je repars comme un sale. Je me suis même pas arrêté. En vrai, ça m'a pas fait peur. Ouais, je savais que ça passait en fait. Tu vois, quand ça a décroché direct, j'ai vu le camion, je fais waouh. Ouais. Non, c'est bon, tranquille, ça y va. Mais visuellement, ouais, ça va être impressionnant, je pense. Oh là là, j'ai cru que j'allais chier. Tout, mais avec toutes ces courbes, moi je commence à avoir faim. Et les gars avec qui je suis aussi. Du coup, petit arrêt au resto. On va manger, se reposer un peu, profiter de la vue, profiter du soleil, et ensuite on redémarre. Balou déteste quand je filme du lifestyle comme ça. Du coup, comme je sais que ça le fait chier, bah je continue, ça me fait rire. Allez, on est reparti. On va bientôt attaquer la petite et la grande clue. Depuis le temps que je voulais rouler et mettre un coup de drone dans cette section, ça va enfin être fait. On a commencé à vraiment bien l'attaquer cette section-là avec Balou et Antoine. Mais le problème c'est que la route est hyper étroite avec la roche et les véhicules qui arrivent en face. Du coup on s'est vite calmé. On va quand même éviter l'accident si proche de la fin du road trip, ça serait dommage. Sache que j'ai perdu le contrôle du drone deux fois là-bas. La roche doit être hyper magnétique, ce qui coupe le signal entre le drone et le contrôleur. Mais ça va, j'ai réussi à le récupérer. C'est pas comme en Italie en 2015. Est absolument magnifique ici. Ce rouge là, j'adore. Ça me fait un peu penser à l'Utah aux États-Unis. Je savais bien qu'il y avait un truc qui était tombé sur la route. C'est la plaque d'Antoine, il l'a perdue à ses dépopées. On récupère ça et on repart.
En l'espace d'un virage, l'environnement change du tout au tout. Je pense qu'on n'a pas fini d'être surpris aujourd'hui. Je sais pas comment on s'est démerdé, mais on a perdu Balou. Mais pas d'inquiétude, parce qu'il y avait deux routes qui se rejoignent au même village en bas. On devrait le récupérer dans pas longtemps. Qui vole de tranquille. Santé, hein. Un peu de manioc. Tu te souviens de la grande et de la petite clue tout à l'heure? C'est tout était là. Rouge. Et ben maintenant on va se faire le col de la Caillole. Et là mec, changement d'ambiance. Attends de voir ça un peu. Étant donné l'heure, je pense qu'on n'arrivera pas jusqu'à Grenoble ce soir. On va monter ce col là et on essaiera de trouver un endroit où dormir et où se poser. Thank you.
Si je devais expliquer à quelqu'un pourquoi est-ce que je parcours des milliers de bornes chaque année à moto, eh bien je lui montrerais juste ça. Arriver au bon endroit, au bon moment, pas un bruit, dans le plus grand des calmes, connecté à la nature. Je pourrais rester là toute la nuit, planter ma tente et apprécier la vue. Il n'y a pas plus agréable comme sensation à mon sens. C'est un sentiment qui est assez difficile à expliquer. Mais crois-moi que si un jour tu pars en trip toi aussi, tu sauras de quoi je parle. C'est le genre de truc que tu dois absolument vivre au moins une fois dans ta vie. En descendant, il y a genre plein de trucs. L'hiver, elle me dit, il y a les fêtes mexicaines et tout, il y a plein de conneries. Et juste avant Barcelonnette, on peut se caler, il y a une aire avec de l'eau, les chefs pour. Et nous donner un endroit pour dormir. C'est parti, on prend la direction de Barcelonnette. On va essayer de trouver un endroit où camper cette nuit et surtout un endroit où manger. Un bon petit plat chaud après cette superbe journée, ça va faire du bien. On signe là nos dernières montagnes du road trip et nos quasi derniers virages. Peut-être que dans un sens, inconsciemment, on a décidé de ne pas pousser jusqu'à Grenoble pour ne pas que le road trip se termine déjà demain. Peut-être que quelque part, on cherche encore à avaler quelques virages demain avant de se dire que c'est définitivement terminé pour cet été. On essaye de repousser le truc jusqu'au dernier moment, au dernier instant. En tout cas, une chose est sûre, on a encore ce col à descendre et la vue est absolument magnifique. Profitons-en encore tous ensemble, une dernière fois. Tard la descente, j'étais trop bien calé mec, putain j'étais assis, sac, je sentais rien, on enroule tout, pas un coup de frein, rien du tout, franchement c'était grave lourd, j'ai grave kiffé, aucun piège, rien, et à la fin c'est tous les pif paf là, trop d'art, ça s'enchaînait tout seul, franchement j'ai kiffé de ouf. Barcelonnette, France, le 16 août 2017. Il est un peu plus de 8h du matin, on remballe une dernière fois nos affaires et on prend la route. 3 putains d'araignées énormes. Mes cocottes, va falloir sortir d'ici. Je veux pas vous emmener, quand même. Allez, sors de là, voilà, c'est bien. Continue. Bravo. Avant de s'engager dans ce qui sera nos dernières courbes jusqu'à Grenoble, on s'arrête en station-service pour mettre un peu d'essence dans les motos et reposer la plaque d'Antoine sur le 900 qu'il avait perdu la veille. On constate d'ailleurs que son pneu est vraiment HS maintenant. Son pneu est à la corde et tiendra pas jusqu'à Paris, ça c'est sûr. On va chercher un magasin de moto pour changer ça avant de s'engager sur l'autoroute. Le pneu est changé et Antoine le rôde gentiment.
m'engage maintenant sur l'autoroute. Je crois que c'est bel et bien fini. À tel point que le coup de barre sur la moto arrive rapidement. On est maintenant à un tout petit peu plus de 300 km de Paris. Dernier arrêt en station service histoire de faire une dernière petite pause tous ensemble, d'échanger quelques sourires et quelques mots avant de nous séparer sur des axes autoroutes différents. C'est au total plus de 5300 km que nous aurons parcouru tous ensemble, à moto, à travers la France, la Suisse, l'Italie, la Slovénie, la Croatie, la Bosnie et le Monténégro. Des souvenirs ? Oh, il y en a tellement, tu sais, on pourrait en discuter pendant des heures. Mais je pense qu'une image vaut bien plus que des milliers de mots. Le plus simple, ce serait de se remémorer tout ça, tous ensemble, une dernière fois. Tu kiffes ? De quoi ? Le trip. Ah ouais, pour l'instant. Et le mieux reste à venir, hein. J'espère. Non, c'était mieux en fait. Orage, tout bien, franchement, c'est les meilleures parties. Sur le coup, tu kiffes pas, tu vois. Mais quand tu rentres chez Watt, c'est les premiers trucs qui te reviennent en tête. Montaigne disait que les voyages forment la jeunesse. Est-ce pour cela que chaque année je prends la route à moto pour m'envoyer des milliers de kilomètres à travers des zones du monde qui me sont totalement inconnues ? Où j'ai aucun repère et où parfois la douleur et la souffrance prennent le pas sur le plaisir ? Est-ce une simple envie de sortir d'une zone de confort ? L'envie de mettre une parenthèse à la monotonie quotidienne durant l'année ?
des blessures à penser, peut-être un peu de tout cela, certainement même. Certains n'y voient qu'un voyage à moto fatigant, sans intérêt et dangereux. Pour ma part, c'est là où je me sens le mieux, où je me sens vivant. Accompagné de mon équipe et pourtant à la fois si seul sous mon casque, ces explorations à moto me forgent chaque jour un peu plus et me rendent quelque part plus clément, plus sage, plus humain, tout simplement. C'est devenu vital. Un genre de quête avec moi-même en plus de partager tous ces super moments avec mes gars, à moto, sur et hors des routes. Alors, vacances, exploration, aventure, à chacun notre définition, tant qu'on y trouve notre bonheur.